Cette journée est une occasion pour la société congolaise de réfléchir autour des préjugés portés souvent sur les femmes qui embrassent le monde politique. Dans une déclaration à la presse ce 8 mars à Bukavu, Agnès Sadiki pense que la communauté devra prendre en compte l'éducation de base de la femme, des propos recueillis par Jeannot Kalinga. En tout cas, je ne vois pas d'inconvénient entre une femme qui fait son ménage, qui doit être responsable de son ménage, et une femme qui fait la carrière politique pour participer juste à la gestion de la chose publique, amener sa contribution aussi, sa touche féminine à l'édifice qui est la nation congolaise. Et je suis désolée quand j'apprends que certains maris interdisent à leurs femmes de faire la carrière politique tout simplement parce qu'ils pensent que quand elle va entrer en politique, elle va se comporter de manière qui peut-être qui n'est plus conforme à ses engagements comme femme de X, de Y. Mais pourquoi les femmes ne se posent pas la même question quand les hommes s'engagent en politique? Je pense que c'est la question d'éducation. Une femme, un homme qui a été éduqué au respect de ses engagements, à la fidélité à ses paroles, à ses engagements, il va être fidèle même quand il fait la politique, même quand la femme fait la politique.